Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Planet Zoo. Donc la dernière fois on avait fait l'enclos des Oryx. Donc là je vais vous montrer un petit peu parce qu'il y a eu une petite mise à jour là dernièrement. Pour l'anniversaire, donc ça fait 2 ans que le jeu est sorti. Et du coup ils ont ajouté un nouveau type de boutique, le Bernice Bakes Shop. Donc voilà, a priori c'est des gâteaux. Voilà, donc les petites décos qui ont été ajoutées, les petits gâteaux qui sont dessus là, c'est la petite nouveauté. Et il y a en plus un nouvel animal que je ne suis même pas encore allé voir. C'est un petit singe, je crois que c'est un tamarin, il me semble. Non, c'est pas ça. Le vari noir et blanc, c'est celui-ci. Donc on avait le vari roux, et maintenant on a le vari noir et blanc. Voilà, c'est un nouvel animal donc qui vient d'arriver de Madagascar, ouais, c'est ça. Voilà, donc on pourra ajouter ce nouveau singe dans notre zoo plus tard, quand on aura le temps. Surtout que je sais pas trop encore où est-ce que je vais le mettre, sûrement avec les autres singes là-bas. Peut-être par là, on agrandira les singes ici, là, on verra. Vu que là on est toujours dans les singes, on pourrait faire un enclos par ici peut-être. Hein, dans le style Afrique, on verra. Donc là on va peut-être faire un petit peu de déco parce que ça fait un moment. Je suis pas allé voir d'ailleurs pour les panneaux de ces animaux là, parce que je sais pas où, je vous avais déjà montré de toute façon, mais j'avais tous ces panneaux là pour les animaux. Et le mec qui a fait ça, est-ce qu'il a fait les animaux d'Amérique du Nord? Je ne pense pas encore, il me semble pas. Je vais aller voir, tiens. On va aller voir sur... Ah si, il y a le bison, North America bison. Ah donc si, c'est bon alors. Oui, le grizzly. Ok, ils sont peut-être pas tous, mais il y a... Alors il y a celui-là déjà. Ah il manque un bout là. C'est quoi ce bout? Je sais pas, bon, tant pis. Le grizzly, donc notre grizzly, nous il est là, on va essayer de mettre le panneau quelque part. Ah mais je l'avais déjà le grizzly. Ah oui, j'en avais déjà un panneau de grizzly, il est plus joli d'ailleurs. Il est beaucoup plus joli. Ok. Donc celui-là on peut le supprimer, donc il avait dû le... Alors là il y a un petit défaut ce truc là, on va l'enlever. Hop. Les bisons, je l'avais mis aussi alors les bisons. Peut-être que je l'avais déjà aussi. Non, je me rappelle que j'avais mis les panneaux là-bas avec les indications. Je crois pas que j'avais mis ça. Alors, je crois qu'on va le mettre par là, le panneau du bison. Comme ça. Paf. Là, ça me plaît bien. Oula, j'ai pas mis de poubelle, qu'il y a plein de déchets partout. Bah si, pourtant il y en a là des poubelles. On va en rajouter peut-être. Il y en a peut-être pas assez. Mettre une ici. On va en mettre une par là. On va en mettre une par ici aussi. Là, je sais pas s'il y en avait, on va en mettre une par là. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de poubelle. On va mettre une poubelle par ici. Hop, faut qu'ils puissent jeter leur truc quand même. C'est important qu'ils ne dégueulasse pas mon parc.
laisse pas. Les lumières, on verra plus tard quand il fera nuit. Là, on va remettre du coup une poubelle par là. Ah non, je vais pas pouvoir dans toute la montée là, tous les coups. Et oui. Évidemment. C'est trop penché. Mais là, en même temps, j'ai déjà tellement peu de... d'espace de visibilité sur les élans. Je sais même pas où ils sont. Ils sont là-bas. Il est là, mon élan. Non, ici. Ils sont pas mal, hein. Normalement, ils étaient bien. Nickel, ok. Et là, on avait nos otaries, je crois. Nos phoques. Les otaries de Californie. Du coup, on avait fini hein, l'Amérique du Sud, là. Enfin, l'Amérique du Nord, je veux dire. Mis à part ces panneaux qui manquent, là. Que du coup, oh, il va falloir que j'en mette des panneaux d'éducation. Alors, les castors, je crois que je les avais mis. Ouais, ici. Je crois qu'on va dupliquer ça. Comment on va faire, là? Ah, je l'avais mis, là, pour les otaries. Parfait. Par contre, il faut que je le mette ici pour... les élans. On va le mettre par là, là, vers l'arbre. Ce sera pas mal vers l'arbre, comme ça. Quelque chose comme ça. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Sauf que du coup, ce n'est plus le castor, c'est l'élan. Idem pour l'audio. Alors là, par contre, il va falloir faire gaffe. Et oui. C'est un peu près. Sinon, je le mets par ici. Ça va être près aussi, mais je pourrais peut-être les réduire. Je le réduirai. Je réduirai l'autre. Ok, alors lui, on va le mettre à 9. On va le mettre à 8. Hop, et lui, on va le mettre à 8 aussi. Voilà. Ça, on est sûr que ça posera pas de problème. Ok. Donc là, du coup, cette zone, on est bon, on a dit. Là on est bon, là on est bon aussi. Est-ce qu'on ferait pas un peu de la déco là ici? Ça fait un peu vide, non? Ou j'y ferai hors stream parce que ça va être juste. Enfin, hors stream, hors vidéo, ça va être juste. Ah oui, les panneaux comme ça. Qu'est-ce que j'ai là? Parce que là en fait il me manque quoi? Les espèces d'antilopes d'Amérique là. J'ai quoi là? J'avais les bisons. Donc ça en fait. L'américain antilopie. Pourquoi j'en avais des gros super jolis là? Ils étaient où? Ah c'était ceux-là, il y en a qui avaient été refaits là. Je me souviens qu'il en avait refait le gars, j'avais vu passer. Vous voyez l'ours polaire, il est là tout simple. Et là, il est plus joli, quoi. L'ours, pardon, il est là-bas derrière. Et il y a le loup ici. Et le mouton de Dal. En fait, ceux-là, là. Celui-là, je peux l'enlever. Celui-là, je peux l'enlever aussi. Celui-là, je peux l'enlever aussi. Par contre, l'antilope d'Amérique, celui-là, on peut aller le mettre là-bas. Quand on n'a pas tout ce qui est castor. Ah oui, mais c'est ça, les castors, c'est des nouveaux animaux, ceux-là. Comme les élans. Le grizzly, il était déjà dans le jeu de base. Je crois. Ça, on va le mettre comme ça. Là, c'est très très bien.
Très très bien. Ok. Est-ce que j'ai des agents d'entretien dans la zone Amérique du Nord? Oui, j'en ai deux. Deux, ça devrait être pas mal. Mais par contre, ils sont tous niveau 0, quoi. Je crois que je les envoie en formation un peu. Mais on verra ça plus tard, encore une fois. Ce sera pour plus tard, ça. Et ben on va les voir sur sur le workshop là. Si on n'a pas ces nouveaux panneaux. Voilà, c'est lui là. Steam Workshop. Il faut aller voir dans sa collection à lui. Alors là, comment on fait déjà? Article du workshop. Ah non, il a fait ses nouveaux ceux-là. Animal panel. Donc ça, c'est les nouveaux que j'ai déjà. North Africa, ça du coup j'y ai déjà aussi. Donc il a pas encore fait le Amérique du Nord. Tant pis. Tant pis, tant pis, on les placera plus tard. Donc du coup, bah on va attaquer un peu cette zone-là, je pense. Hein? On va attaquer un peu cette zone-là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait un peu bizarre là, ce temple là, comme ça, là, ces deux blocs de pierre là, qui sont posés sur rien. Ouais, bon, on va laisser comme ça pour le moment. On verra plus tard si on met quelque chose là, peut-être un arbre au milieu ou quelque chose comme ça. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on va attaquer en premier? Je ferais bien moi un enclos ici. Parce que j'aurais préféré faire une zone avec des commerces plutôt dans ce coin-là. Comme ça, je pourrais faire restaurant, tout ça. Vous voyez? Et là, on mettra des obélisques devant. Ici, là, avec un chemin qui monte et tout. Ça va être cool dans ma pyramide. Ouais, mais les animaux d'Afrique du Nord, je crois que j'avais dit qu'il n'y en avait pas tant que ça. Afrique. On va mettre Afrique-Asie parce que je crois qu'il y en a que je voulais prendre d'Asie, justement. Les chameaux, j'avais dit que je les mettrais par là. Bah tiens, on pourrait mettre les chameaux là, ici. Ça irait bien. Je sais plus ce que j'avais dit là. J'avais dit un truc là avec de l'eau, je sais pas quoi. Les crocodiles. Ah oui, attendez, qu'est-ce que j'avais dit? Je me rappelle plus. On pourrait mettre de l'eau, c'est pas pour les alligators, là de ce côté. Parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau pour nager. Peut-être bien. Crocodile marin, c'est pas ceux-là. Ouais, qui ont besoin de 210 mètres carrés d'eau. Pas forcément profonde, mais qui ont besoin d'eau. Quasi. Donc on va mettre les chameaux. Les chameaux, on va les mettre par là, ouais. Ensuite, vous êtes déjà tous le loup gris en Afrique. Ah, en Asie, ouais, d'accord.
Ça, on a mis les okapis, je suis pas sûr. On verra. Il me reste pas mal de d'animaux. C'est pas vraiment l'Afrique du Nord, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Qu'on s'organise. Il va falloir qu'on s'organise. J'aurais dû faire le chemin qui monte d'abord. Ça aurait peut-être été plus malin. Parce que vous savez à quel point c'est facile de créer des chemins. J'ai dit qu'à l'intérieur, je voulais faire un truc aussi. Ah oui, c'est ça, je pense que j'avais dit que je voulais faire un truc ici par-dessous où on verrait les crocodiles. À mon avis, j'avais dû faire vouloir faire un truc comme ça. Je pense. De toute façon, dans ma pyramide, il va falloir que je fasse cet accès-là et qu'en plus, je fasse quelque chose qui permette de faire le tour pour pouvoir monter ici où il y aura une gare. Et oui, il faudrait y penser à tout ça. Il faudrait y penser. Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu que dans les plans de base du jeu, les préfabriqués, il y a des trucs très sympas. Voilà, des petits bâtiments comme ça, qui sont très jolis, qui iront très bien. On aura juste à peindre. Colorer différemment, ça va être un peu compliqué de les colorer différemment, je pense. Voilà ce genre de choses, ça irait très bien, ça. C'est stylé, il y a des trucs bien sympas. C'est pas cohérent comment on monte sur le toit là. Il y a des petits escaliers, mais il n'y a pas d'accès. Petite fontaine. Des petits trucs pour des bâtiments. Petite tour. Et il y a des trucs jolis. Hein. Disons. J'en ai téléchargé plein du coup. Hein. Et de base, voilà, il y en a des sympathiques. C'est marrant. Ok. Bref. Bref. Sur quoi est-ce qu'on part ici? Pourrais partir sur des chameaux et là faire un petit un petit promontoire où les gens pourront venir de l'intérieur regarder les chameaux. Ça pourrait être rigolo. Si j'y arrive, sachant que les allées, je fais pas trop comme j'ai envie. Si. Ah si, en termes de hauteur, je fais comme j'ai envie. Ok. Ça m'arrange. Ça m'arrange un peu. Est-ce que je laisse du coup ma pyramide comme ça. Enfin, je commence à penser à l'intérieur. Vraiment. Vraiment. Je crois qu'il y a un vivarium que je peux mettre dedans aussi, on verra. Je le mettrai peut-être pas dedans du coup. Là, on va peut-être creuser un peu ça là. Chose.
On va partir sur les chameaux alors. C'est ce qu'on a dit. Je passe trop de temps à réfléchir. Les suricates, j'ai dit que je voulais les mettre plutôt par ici là. Où les gens pourront bien les voir. Par là. Ah mais non, là j'avais dit que je ferais mon grand ma grande zone de marché là. Sachant que j'ai déjà pas mal de de trucs de vendeurs là. Là je peux presque y séparer en deux ça. Ici là. Mes soignants d'Amérique du Sud, d'Afrique sont ici. Donc là on fera faire une autre zone aussi. Avec des soignants d'Afrique du Nord. Où on en est en termes d'électricité ici? Ah putain, ici, il manque un truc. On mettra dans la pyramide. Ouais, pas trop le choix. C'est quoi ça? Ah, c'est lampadaire ça? Ouais. On mettra dans la pyramide le truc d'électricité. L'eau, là, on est bon. C'est là-bas qu'on n'est pas bon. Là, on n'est pas bon non plus. On verra comment on fait plus tard. Ouais, électricité, il y a un trou là. Bah, si je mets mon village par là, je pourrais mettre un truc d'électricité par ici. En mettant le village ici. On fera comme ça. Attendez une seconde, faut que je me racle la gorge, j'ai mal à la gorge. Je vais couper le micro. Désolé, j'ai un chat dans la gorge ce soir. Donc, les chameaux, on a dit. Alors, pour les chameaux, on va prendre le terrain là. On va tirer un peu par là. Hop, ici, comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, là, on pourrait y mettre quelques pierres. Hop. Ici. On va se mettre à ce niveau-là, vraiment. Là au bord, hein. Voilà. Ensuite, donc là, on ferme ça. Donc, l'idée ce serait d'avoir ici une ouverture. Est-ce que on fait quelque chose comme ça? Paf. Avec du plat derrière, un bout de chemin, sachant que les bonhommes, ils font quelle taille les bonhommes? Faudrait que j'ai une taille de référence. Ok, donc ils font la taille d'un cube. Donc là en vrai, si je mets le plafond à ce niveau-là. Ils sont debout là-dessus, mais en fait ils vont être debout derrière même. Ils vont être debout là. Donc ça va être bon quoi. Ça va être largement bon. Ça je peux le remonter légèrement. Histoire de dire qu'il puisse pas. Mais. Je me trompe de bouton en plus. Je suis fatigué ce soir. Ok. Non! Pas tant. Ok. Là maintenant, je vais prendre une allée comme ça. Et on va mettre
chose comme 5 mètres quand même, c'est pas mal. On va mettre quelque chose comme ça. Voilà. Après, on verra comment on vient le raccorder. Comme ça, c'est pas mal. Ok. Paf. Donc là, il y aura un observatoire pour les chameaux. Maintenant, on va délimiter l'habitat. Il va être grand, hein, le truc des chameaux. Oh, remarque, pas tant que ça. Va être grand sans l'être. Là, faudra que j'habille ici. Pour le moment, on va mettre du invisible. Commencer les panneaux en verre. Là, du coup, on verra comment on fait. Sûrement que on mettra des panneaux en verre, mais pas tout long. On les fera arriver au commencer par là et puis chut, remonter. Et là, on mettra juste une petite barrière au-dessus. Ah, 8 clos, j'ai déverrouillé un succès Steam. De toute façon, ils pourront pas monter là-haut. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai déjà eu des bugs comme ça. C'est le clavier qui déconne. Enfin, je relance le jeu. Ah putain, ça m'avait déjà fait ça. J'ai déjà eu ce problème. J'ai déjà eu ce problème, je crois que j'avais carrément relancé le jeu. Alors attendez, je vais relancer le jeu, je reviens. Enfin, vous allez pas le voir du coup, mais moi je vais relancer le jeu. A tout de suite. J'ai pas mis pause, ça a pas marché. Alors attendez. Ok, donc a priori, un alt-tab a résolu le problème. Je suis désolé. On va reprendre cette clôture. J'ai les boutons de du clavier qui se verrouillent. Des fois, c'est bizarre. Alors là, on va se mettre à peu près par là. Clac. Voilà, comme ça. Ok. Ok. Donc là, on aura notre enclos. Donc du coup, si on a notre village là-bas, on aura sûrement une zone pique-nique par ici. Et notre village des soignants par là. Ou inversement, on verra. On verra. Donc... Il faudra que l'entrée de mon enclos soit le plus par là possible. Ce serait pas mal qu'elle soit par ici. Par ici, ils ne pourront pas descendre, donc par là plutôt. Donc, reprenons clôture. Ça. Par ici, c'est pas mal.
Alors comment on va faire nos poteaux là? Ça va être une question ça. Est-ce qu'on va mettre là? Est-ce qu'on... Elle serait pas comme ça. En versant un. Jusque là. Ok. Peut-être même pas. Peut-être que là, on va juste descendre ici. Celui-là, on va le mettre en invisible. Voilà. Peut-être qu'on va faire comme ça. Ça suffit sûrement. Ça suffit sûrement. On pourrait aller voir les chameaux, tiens. Tant qu'on y est. J'étais en train d'essayer d'acheter les oryx. Sûrement. Qu'est-ce que j'ai comme Oryx? Moi j'ai un mâle de femelle, ça ira. Change d'animaux. Chameaux. Les chameaux. Ah! Ils sont vieux. Pas de jeunes? Quelle horreur. Oh, quelle horreur. Bon, on reviendra dans 9 minutes. Donc, ça va être assez bon là parce que j'ai pas trop d'idées de comment je vais faire. J'ai pas trop d'idées de comment je vais faire, comment je vais décorer cette zone là. J'ai pas trop de... de plan, qu'est-ce que j'ai comme plan qui pourrait me donner des idées un peu? Ouais, une maison africaine. Afrique du Nord, très bien. C'est ce qu'on veut. C'est dans ce style-là qu'on va se diriger. Plan. Qu'est-ce qu'on a? Ça fait déjà une demi-heure de vidéo, hein. Et j'ai rien fait du tout, quasiment. J'avais pas téléchargé plein de trucs, moi. Ah, ça c'est très marrant. Ah oui, j'avais des trucs comme ça pour faire genre... genre construction, chantier de construction. Voilà. Je pourrais mettre ça genre là comme ça. Genre ouais, on est en train de construire la pyramide. Vous voyez? Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle au milieu des chameaux. Quelque chose comme ça. Ça pourrait être marrant ça. Ça j'y mets là. Ça va leur bouffer un peu la vue. Ça, je vais le mettre par là. Comme ça. Est-ce qu'on est bien là? On est pas mal. Du coup, je pourrais dupliquer des trucs comme ça là. Des blocs de pierre. Sont genre ici en attendant d'être mis. Hop. Il est où l'autre? C'était dans le plan.
J'en ai trop des plans, faudrait que je supprime tous ceux que j'utilise plus parce que c'est un petit peu le bordel. Bah ça c'est celle qu'on vient de mettre. Ça c'était l'autre truc. Et ça c'est quoi ça? C'est un truc pour faire des pots, je sais pas quoi. Un système d'irrigation. Bon. Comment c'était fait ce truc? Je me rappelle pas. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est un petit ponton, ok, d'accord, je vois. Ferme, construction, zone, quarry, ça, ça peut être pas mal. Un sphinx. Oh oh. Ah. Ah. Non. Non, non. Il est dégueulasse. Ça, c'est pas mal, ça, en vrai. Il y a des trucs cool, hein. Il y a des trucs très cool. Ça pourrait très bien faire le style truc du chameau, là. Ah, mais j'étais abonné, déjà. Ok. Construction zone au quarry. Alors ça c'était quoi, 8 clos, construisez 10 km de clôture. Ah ouais, pas mal. Alors attendez, du coup, il est là. Ça fait beaucoup de choses. Ah oui, oula, 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 oula. On va le mettre par là-bas. On va le mettre par là. On va le mettre par là. On va essayer de virer des trucs et de prendre que les trucs dont on a besoin. Parce que ça, c'est un groupe. Alors, c'est quoi ce cube? Il y a des aussi gros cubes que ça en pire. Avec ça, avec ça, je vais faire tac. Il y avait aussi un tas de bois. Le problème, c'est que c'est pas hyper plat là. Merde, putain, je me suis trompé de bouton. On va essayer d'aplanir un petit peu par là, là. Voilà. Hop. Allez, on retourne là-bas. Alors, moi, je dis que je voulais récupérer ça. Avec ça, avec ça, avec ça. Pouf. Ok, donc genre comme ça, c'est pas mal, là, c'est pas mal ici. Là, c'est tout plat. Hein. Donc attendez. Comme ça, là on est bien, là, là on est bien, on a juste le tas de bois qui est un peu dans le vide, le tas de bois on va le mettre par là,
Hop. Voilà. On a la grue là-bas, on va récupérer une autre grue. On va récupérer un tas de pierres. Ça, ce petit tas de pierres, c'est sympa. On va le mettre par là. Ok. Bon, ça va faire une vidéo un petit peu longue, mais c'est pas grave. Je suis en train de m'amuser là. J'ai pas envie de m'arrêter. Alors ça, on va le séparer du groupe. Et c'est déjà un groupe, donc on va le déplacer. Hop, genre ici, clac clac, voilà, il y a des. On déplace les rochers. Clac. Voilà, ça fait bien un petit chantier là, sympa. Sympa. Il faudrait juste une autre petite grue. On va prendre tout ça. On va mettre par là. Ok, donc là c'est notre chantier de construction. Il serait bien de trouver des pierres jaunes un peu genre pour faire genre elles viennent de là, là de la carrière. Qu'il y ait une carrière ici, ce serait cool. Qu'est-ce qu'on a comme pierre? De la pierre un peu jaune comme ça. Ouais, c'est ceux qui se rapprochent le plus, ceux-là. Ouais, ou ceux-là, désert peut-être. Désert rouge. Non, désert, ils sont trop, non, trop marron. Je crois que ça va être un désert rouge, c'est trop rouge. Savane, c'est encore le mieux. Savane, je crois bien que c'est encore le mieux. C'est quoi ça là, ici le rocher du désert, ils ont pris. Ok, bon, ça fait 43 minutes, on va s'arrêter là. Je vais continuer un petit peu hors vidéo, on verra. Je vous montrerai un peu ce que j'aurai fait plus tard. Et puis voilà. C'est quoi ça? Ces piliers là. Du nord, colonne. Ok, donc on a des jolies petites colonnes comme ça, on pourra s'en servir pour faire les délimitations de nos trucs. Ok, très bien. Bon, et bien voilà, moi sur ce, du coup, je vais vous abandonner là. Et je vous le dis donc à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous, ciao.